Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Je vous rappelle qu'avant d'être sur YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront évidemment sur le blog. Aujourd'hui, je vous présente quoi? Un casque tout droit venu de Chine, de chez Gamdia. Il s'agit du Epaphyllotus P1 RGB. Bon, je ne sais pas lire ce nom. Sûrement un dieu grec. Donc, comme vous pouvez le voir, le casque est assez imposant. Il possède des aérations à ce niveau pour un confort maximum. Des énormes coussins, comme vous pouvez le voir ici, très agréable. Un arceau en métal, bien protégé. Un câble assez long. C'est une prise USB avec une petite, une grosse radio commande avec un petit bouton pour couper ou allumer le son, le volume. Et ici, les vibrations, parce que caché derrière les petites lumières rigolotes, là je les fixais en bleu, vous avez quoi? Vous avez des trucs qui vibrent lorsque vous prenez des shoots dans les jeux vidéo. Ce qui fait la force de ce casque, c'est sûrement son application extrêmement simple qui s'appelle Era. Alors lorsque vous allez l'ouvrir, ça va apparaître comme ça, c'est un peu bête, et votre casque, il est là, tout à fait à gauche. Ici, vous avez les petits réglages sympas pour regarder un film. Un equalizer qui est extrêmement efficace à des pré-réglages. Soit vous réglez vous-même, et ça c'est vraiment vraiment efficace. L'environnement, à part vous sentir dans une église, ça ne sert strictement à rien. Je ne sais même pas pourquoi ils le mettent. La petite partie rigolote, c'est sûrement ça. Changer les couleurs. Bon, moi j'aime bien le bleu, donc je mets bleu. Voilà. Par contre, si vous faites détruire, ça devient rouge. Et le support, évidemment. Alors, est-ce que le casque a un bon son? Mais oui, il a un bon son. Il a un très très bon son et il n'est pas nécessaire de monter le volume très très haut pour avoir quelque chose de correct. Donc voilà, je monte, je descends. Et le micro, ben oui, le micro, il est assez efficace et il filtre pas mal les bruits, parce que là vous l'entendez pas, mais mon PC est à fond. Moi je l'entends pas non plus parce que ça, je suis très très bien isolé. Que dire de plus? C'est un casque qui est pas mal. Est-ce que je peux le conseiller? Si vous avez des super cervicales, je peux le conseiller. Il est bien, franchement, il est bien. C'est un casque de gamer. Je me souviens plus de son prix, donc ça sera dans les détails. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo rapide de présentation dans les conditions du direct. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt.